Oh la famille! Vegeta, transforme-toi s'il te plaît mon ami. Allez s'il te plaît. Oh ça se transforme. Oh ça se transforme. Un perso du détecteur Freezer première forme qui change de forme à chaque tour, ça serait trop ouf. Allez 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 allez. Alors qu'est-ce qu'on va avoir? On a un Freezer, voilà, ça commence bien. On a un petit Freezer SR que je n'avais pas, donc je suis quand même content. On a Zabron. Le Super C17 agit. Hey, salut tout le monde, c'est Spectrolo, comment ça va? On se retrouve bien pour la deuxième vidéo sur Dokkan Battle. J'espère que ça vous a plu, en tout cas la première vidéo. J'ai regardé pas mal les retours, merci pour les 1400 vues déjà et pratiquement 100 likes sur un jour. Ça fait très très plaisir, merci à toutes les personnes qui ont commenté, qui ont laissé justement masse de commentaires et surtout qui ont mis des timecodes quand par exemple j'avais des invocations. Et justement, eh bien, quand je voyais le timecode, je voyais justement la fiche du perso. On me disait s'il était bien ou pas bien, quelles sont les raisons, etc. Pourquoi il faut que je le Dokkan et tout ça. Est-ce qu'il a une spé gratuite? Donc merci à toutes les personnes en tout cas qui m'aident. Petite mention je pense à Flamme63 qui m'a mis vraiment beaucoup de timecode et qui m'a expliqué justement pas mal de mes persos que j'ai eu en invocation. Ça fait très plaisir, donc merci à tous. J'ai vu qu'il y a beaucoup de nouveaux contenus qui arrivent sur Dokkan Battle, donc je vous ferai des lives en tout cas sur Twitch. Rejoignez-moi sur Twitch, toujours dans la description si vous voulez accéder au live. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker et à partager et à commenter. Il y aura donc une troisième vidéo Dokkan Battle. J'attendrai vos retours sur cette deuxième vidéo et après je ferai justement 2 mois de jeu. On fait le point sur ma box sur Dokkan Battle. J'ai déjà des LR, vous le savez quand vous avez vu le premier live sur Dokkan Battle sur ma chaîne YouTube. Donc j'ai très hâte justement d'avoir vos retours concernant justement pas mal de personnes. N'hésitez pas à mettre des time codes quand par exemple je reçois des personnages en invocation. Je vais gagner, je vais garder plutôt 50 Dragonstone pour la multi-invocation du Goku et du Sangoku LR du tournoi de pouvoir dans Dragon Ball Super. Je ne pense pas l'avoir, mais on va pas être défaitiste non plus. On va essayer d'avoir des bonnes unités dans cette multi. Donc j'espère que ça vous plaira toujours en tout cas sur Dokkan Battle. J'aimerais bien un jour faire des guides quand je connaîtrai un peu plus le jeu. J'aimerais bien aussi vous donner des conseils. Là actuellement on sait qu'il y a Sangoten, Trunks et un Marron en free to play endurance en 100% avec les sphères. Donc ça c'est super cool. Il y a le tournoi du pouvoir en mode histoire. Vous pouvez farmer les Dragonstone, vous pouvez gagner des unités C17, C18, SSR à l'heure que je vous parle. Normalement vous serez toujours dans l'actualité au niveau du mode histoire. Il y a le ZTUR de Jiren, mais malheureusement on ne peut pas l'avoir et je crois qu'on ne peut pas farmer Dragonstone. Donc c'est vraiment comme Broly, en fait on n'a pas la carte où on peut le Dokkan ou truc comme ça. Mais pour ceux qui ont un très bon niveau, on peut gagner des récompenses, des Daikai, des sphères et toutes sortes de choses, et notamment je crois un objet de soutien. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Donc, voilà, j'espère que ça vous plaira toujours ces vidéos sur Dokkan Battle. Moi je prends un grand plaisir en tout cas à faire ces vidéos invocation et j'aimerais bien après faire des guides pour vraiment aider les plus petits qui connaissent pas du tout Dokkan Battle, qui connaissent pas trop Dragon Ball, et après justement faire des tutos un petit peu plus avancés pour ceux qui connaissent bien le jeu. Et après encore plus j'ai envie de me lancer justement dans Dokkan Battle, pas forcément passer ma chaîne sur Dokkan Battle à 100%, hein. Non, parce que bah, quand t'as pas Dragonstone, si t'es en free to play, moi je suis en free to play, pour le moment, eh bien, tu vas farmer Dragonstone que tu vas avoir, et ensuite, eh bien, il faudra attendre les récompenses de connexion, les trucs spéciaux, en tout cas, dans bah, quand justement Akatsuki distribue un petit peu les Dragonstone, et Namco Bandai aussi, donc des fois, il y a peut-être moyen que pendant un temps, il y aura plus vraiment d'invocation pendant un certain temps, parce que j'aurai plus Dragonstone à farmer, par exemple. Bon, il y en a encore pas mal à farmer, hein, de ce qu'on m'avait dit, mais je préfère vous le dire déjà d'avance que mon but n'est pas faire que des multi-invocations. Voilà, bonne vidéo à tous, salut tout le monde. Hiro tout le monde les amis, je tourne pas le même jour, j'ai encore un t-shirt blanc, ce qui est assez cool, hein, parce que comme ça on est un peu dans le thème. Je tourne le 3 septembre 2018 et du coup eh bien c'est le festival Dokkan comme vous avez vu dans la partie juste précédente. Cette fois-ci on va pas utiliser 45 gemmes mais on va utiliser justement une trentaine de gemmes pour essayer d'avoir quelque chose d'intéressant. Grâce à l'un justement on peut gagner 10 Dragon Souls, ce qui est plutôt cool. On va regarder ce qu'on peut avoir. Je sais pas du tout ce que ça donne ça. Ok, il fait Kamehameha, il se transforme, c'est déjà pas mal. Super Saiyan 1. Super Saiyan 1 seulement. Oh non mais c'est la loose là. Pas de bad guys. Pff, là c'est full merde en fait. Concrètement c'est ça. Oh c'est nul franchement. C'est zéro là. Oh il est bien lui. Freezer forme finale
Échauffement intense. Je sais pas du tout ce que ça donne. Et lui? Ah lui, je l'ai déjà eu lui. C'est le C17 doublon. Ouais, il est bien lui ou pas? Ah ouais, mais vous me le direz dans les commentaires parce que je sais pas ce que c'est. Bah c'est Freezer, je connais l'arc de Namek, mais... Freezer, forme finale, échauffement intense, et SSR depuis. Ok. Bon là, il faut justement 45 gemmes pour faire justement encore une invocation, j'en ai plus qu'une. Donc là, c'est un peu compliqué. Et si justement, je refais encore une invocation ici, je pourrais avoir une invocation, donc en gros bonus, donc gratuite. Ça, c'est vraiment super cool, et je pense que je vais le faire. Attends. Je crois que ce Freezer-là... Attends, on va regarder dans invocation. Est-ce qu'il est dans le détecteur ou pas? Bon, ça, c'est le... Pas le LR, mais le truc qui se transforme à chaque tour. C'est pas lui. J'aurais bien aimé avoir lui. Ouais. Ouais. Ah, lui, je l'ai. Ah, c'est lui, voilà. Ok, qu'est-ce qu'il fait, lui? Cette fois-ci, tu vas sans doute y rester. Pendant un tour, il affiche des dégâts contre le sol ennemi qui plus 2, attaque et défense plus 70% pour un type extrême. Ah, c'est pas mal. Ok, Saga de Namek du coup. D'accord, attaque et défense personnelle plus 70%, attaque plus 80% supplémentaire au sein du même tour chaque fois qu'une attaque est encaissée. D'accord, et je crois que je l'ai vu quelque part, ça me dit quelque chose, et c'est dans événement, et je crois que c'est dans le truc extrême, attends. Je crois que je peux le dokan son truc là. Est-ce que c'est vraiment ça? Donc ça c'est le truc qui change à chaque fois. Et j'ai cru voir un autre Freezer à dernière fois. Oui c'est lui! Oh cool! Attaque et défense personnelle plus 80%. Nanana. Donc il peut devenir UR. Faites de votre douleur une source de puissance pour écraser vos ennemis. Alors après je sais pas du tout s'il est rentable. Mais en tout cas il passera déjà 120 UR. Ce qui est déjà une très bonne chose. Et en plus il est puits. Et je commence à avoir pas mal de persos puits. Donc c'est quand même... Je sais pas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et n'hésitez pas à faire péter les pouces bleus, je compte sur vous de me dire justement qu'est-ce que vous en pensez. Oh merde, je parle un peu fort, il est 2h13 du matin. Les amis, je me connecte et qu'est-ce que je vois? Je vois 5 ans Dragonstone, première classe du classement remporté dans plus de 7 régions, c'est juste monstrueux. Bravo à tous, en tout cas à ceux qui jouent à Dokkan Battle, on a battu la version japonaise, donc du coup on a eu le Super Saiyan, si vous avez regardé la partie juste précédente, c'est juste ouf. En plus j'avais tellement la flemme de farmer les Dragonstone, en fait je voulais farmer les Dragonstone, je me suis dit, ouah c'est compliqué farmer plus de 5 ans Dragonstone, et là je me connecte et je vois 5 ans Dragonstone. Et là, je compte sur vous les amis pour laisser un maximum de likes, les amis, je compte énormément sur vous. Eh bien, on va soit jouer sur le festival de Dokkan Super, soit justement celui-là. Et après, normalement, on a une multi-invocation gratuite, si je dis pas de bêtises. Donc, sortez votre puissance, sortez les likes, les amis. Je compte sur vous. Multi-invocation, du coup, Dokkan Super Festival. Allez, c'est parti, qu'est-ce qu'on va avoir? Ah là là, c'est pas fou, hein. C'est pas fou ça, si? Oh, c'est violet! Il se transforme! Oh là là! Un petit Oolong! Un petit Oolong! Oh, Saiyan 2 seulement! Saiyan 2! Aïe! Est-ce que ça tourne? Oui, ça tourne, minute 16! Donc, vous rappelez dans la partie juste précédente, j'avais eu le Freezer SSR puis. Et au final, Dokkan, il est vraiment très intéressant. Donc, je suis content d'avoir cette unité. Excusez-moi pour la réaction qui n'était pas complètement ouf d'avoir ce Freezer-là. Mais vu que je connais pas forcément Dokkan Battle, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah, je crois qu'il est pas bien celui-là, on m'avait dit. Je crois qu'il y avait Kozuchi qui l'a eu. Et apparemment, il est pas si ouf. Aïe. Ah, les SR, les R, tout ce que tu veux. Ah, c'est pas trop la folie. Aïe. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, celui-là, je sais pas du tout ce que ça donne. C'est le Vegeta Super Saiyan 3. Il y a trop de Super Saiyan 3, c'est abusé. Bon, on a deux SSR dans la multi. Et on a une multi-invocation gratuite. Allez. S'il vous plaît, je veux un truc bien. S'il vous plaît. Allez. Ah là là, Sangoten et puis Trunks, je sais pas ce que ça signifie. Oh, Holy War God Maga. Il a dit Holy War Maga. Holy War Maga, c'est pas mal. Super Saiyan 1, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3. Oh, Super Saiyan 3, c'est pas mal. Je crois que c'est un SSR. Ok, un Sangoku, un Botamo. Botamo, je l'avais pas, donc je suis quand même content.
Ça... Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, je crois que je l'ai déjà. Non, c'est qui? Son Goku, Saiyan, puissant et téméraire. Oula, j'ai plus de voix, excusez-moi. Je sais pas quoi en penser, je ne connais pas. Je ne suis désolé. Peut-être qu'il est bien, peut-être qu'il est dans le détecteur. J'en ai aucune idée, les amis. Encore Son Goku, mais disons qu'il vient souvent, lui. Le Son Goku SR... Oh, c'est le Gogeta Intel! C'est le Gogeta Intel? Oh oui! Oh oui! Oh oui, je le voulais! Oh, je le voulais! Oh, j'ai regardé la vidéo de Brice, le mec, il a eu deux! Oh là là, Brice! Oh là là, Brice! Brice, c'est un mec qui fait du Dokkan! Et il faisait justement avant des courts-métrages et tout ça! Oh, je suis content! Oh, le super Gogeta Intel! Je le voulais depuis un bon moment! Il est dans les pierres violettes, etc. Je le voyais dans le Discord sur Dokkan Battle, sur mon Discord, et je voyais, il y avait des gens, il le droppait! Je dis, mais moi, je l'ai jamais! Je l'ai jamais! Ah, je suis content! Je suis content, bon après j'ai pas de doublon, mais c'est déjà très très bien d'avoir au moins le perso quoi. Ça c'est super, je suis super content. Là la SS, ça c'est SSR, bon après je crois qu'il est pas ouf celui-là. Ou alors c'est le Gohan ZTUR, non c'est pas le Gohan ZTUR, je crois que c'est un autre truc. Et en tout cas, il reste 3 invocations à 50, je pense qu'on va s'arrêter là. Oh je suis content pour celui-là. Oh là là, le super Gogeta droit vers la victoire, je suis très content. C'est dans la team fusion, je sais pas si par contre j'ai une team fusion, mais je suis content d'avoir ce perso. Là par contre vous avez vu ma réaction, mais par contre pour celui-là, je ne sais pas si c'est bien. Est-ce qu'il est dans le détecteur? On va regarder ça. Est-ce que t'es dans le détecteur l'ami? Ce que je vais faire après c'est que il y aura une autre partie de la vidéo. J'espère la vidéo va pas faire 50 minutes. Ah j'en sais rien, au pire je la ferai en deux vidéos. Il faudra refaire encore une invocation sur ce portail là. Et ensuite on aura la multi-invocation gratuite. On espère avoir vraiment des trucs de ouf. Alors attends, est-ce qu'il fait partie du détecteur lui? Alors j'aurais bien aimé avoir celui-là, malheureusement je n'ai pas eu cette chance inouïe, parce que je sais que sur le Discord vous l'avez eu, bravo, il change de forme à chaque tour, pendant je crois 7 ou 10 tours, et bien après il a sa forme finale et fait énormément de dégâts. Par contre je sais pas du tout, mais quand j'avais vu quelque chose, oui il a pas de catégorie pour le moment, peut-être qu'ils vont la rajouter au fur et à mesure. On a le Goku Ultra Star, j'aurais énormément kiffé l'avoir. Oh je suis content de l'avoir celui-là, c'est super. Lui je vous avais dit que je voulais l'avoir. Je regarde s'il y avait pas, c'est un perso du détecteur lui ou pas? Son Goku Saiyan puissant et téméraire. C'est lui que j'ai? Attends, c'est lui ou pas? Je crois que je suis perdu là en fait dans Dokkan Battle moi, on est d'accord hein. On va regarder par date. Ah c'est lui. Ah c'est lui. Ok, il fait quoi lui? Ki plus 2, PV, attaque plus défense, plus 70% pour le type endurance. Oh, ça peut être intéressant ça. Augmente l'attaque pendant un tour et inflige des dégâts colossaux à l'ennemi. D'accord. Et ensuite on a justement la saga de Namek, ça c'est bien ça. Ok. Ensuite je voulais regarder un truc, je sais plus c'était où. Ah voilà c'était là, attitude passive. Qu'est-ce qu'il dit alors? Vas-y on y va. Attaque et défense personnelle plus 70%, attaque plus 15% supplémentaire chaque fois qu'une attaque est encaissée, max 90%. Eh oui, ça peut être cool ça. Eh, c'est peut-être une belle trouvaille. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires toutes les unités que j'ai eues. Si vraiment il y en a qui sont super bien. Déjà le Freezer je pense qu'il est cool. Et le super Gogeta Intel, je le voulais absolument. Et j'espère que après j'aurai peut-être des doublons dessus. Mais déjà avoir le perso ça fait plaisir. Parce que j'ai, je commence à avoir une petite équipe Intel, même si c'est pas encore extrême, super ou tout ce que tu veux. J'ai pas encore une team catégorie. Mais je suis très content. Donc ça c'est cool. Mec, je t'ai dit que c'était la single du désespoir. Mec, je t'avais dit, je vais faire une single sur le Freezer avant de me coucher, et une single comme ça, après t'as le Vegeto qui pop et là il te sort. Oh là 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 là. C'est lourd, c'est lourd. C'est lourd. Oh, c'est lourd. Oh, la single du turfu, mec. Oh, mec. Ah, il a pas de catégorie par contre. Pour le moment non. Ah oui parce que non, parce qu'il est pas Dokkan. Super Saiyan 3 est divin. Il est Super Saiyan 3 quand il sera TUR.
Qui plus 2, PV attaque plus défense plus 100% pour la classe super. Oh là là mon gars, c'est celui-là qui se transforme chaque tour en plus. Mec, tu peux pas rendre malheureux aux abonnés là. Mec, j'avais, je te jure, j'avais que de la merde gros, que de la merde. Mais j'aimerais bien avoir le freezer en vrai, mais j'ai pas trop de luck en ce moment, tu vois. Moi bon, avec Piccolo et... Mais il a pas dit Olewa, Olewa, un truc comme ça, tu vois. Voilà, j'ai fou le merde, tu vois. Mais... T'es pas obligé. De quoi? De quoi je suis pas obligé? T'es pas obligé. Mais gros, bah là, je claque toutes les dragons de stone, j'ai plus rien. Ah, Bou, je l'ai jamais eu, Bou, tout seul. Ah, il a dit juste Kamehameha, il a dit. Tout seul, je sais pas ce que ça garantit. C'est un Super Saiyan 2 minimum. C'est tout, il va te donner un SR, il va dire ouais, tiens, dégage. Ouais, voilà, un SR. Ouais. Putain, mec. Mais je m'en fous, j'ai la single, tu vois. Vous qui avez réuni les 7 boules de cristal, vous pouvez énoncer vos vœux. S'ils sont à ma portée, je les exaucerai, mais je n'accepterai que 3. Je n'en accepterai que 3. Alors, je m'en fous d'être riche, j'ai beaucoup de zeni, on s'en fiche un peu. Médaille d'éveil et objet d'entraînement, je pense que ça peut devenir intéressant. Gemme incroyable, je suis pas chaud pour en prendre. Obtention de sphère de potentiel, je vais en prendre. Je veux renforcer mon attaque spéciale, je pense que je vais prendre aussi. Et les tickets de célébration, alors on va regarder une dernière fois, je vais être riche, on s'en fiche. Médaille d'éveil, objet d'entraînement, donc ça peut être pas mal au niveau des Grégory, au niveau des cailloux et tout ça. J'avoue que ça me tente un petit peu. Ouais, ça on s'en fiche. Et ça, je vais prendre parce que c'est les tickets de célébration, il y a peut-être moyen de faire des invocations. Donc, on va voir. Alors, attendez 2 secondes, je vais regarder. Non, on me dit pas. Ok. Bon, je veux libérer mon potentiel, renforcer l'attaque spéciale, je veux rencontrer de nouveaux alliés. C'est parti, les amis, et j'espère... Comment il fait? Comme ça, tu vois. Ok, ok. Donc là, on est sur le deuxième battle... Battle 7, en fait, du... Porunga et pas du Shenron, parce que Shenron c'est un vœu, et sur la planète de Namek, Porunga, eh bien c'est 3 vœux. Peut-être un jour ils vont ajouter le super super Shenron dans Dragon Ball Super. Je pense que ça peut être ultra craqué. Et du coup on va regarder qu'est-ce qu'on pourra avoir dedans. On a, on a beaucoup de cailloux et ça c'est cool parce que je commence à en avoir pas beaucoup, hein, mine de rien. Bon après je suis quelqu'un qui, en vrai... ne dépense pas tous ces Kaioshin, donc ces Daikai, je crois que ça s'appelle comme ça, et en plus on a 5 tickets. On va faire une multi-invocation où on n'a pas assez, c'est 5 ou 10, je sais pas. Voilà, on fait que des singles parce qu'on m'a dit que c'est pareil en fait au niveau des taux de drop, apparemment. Donc j'ai même pas assez pour faire une multi, alors en plus. Donc on va faire celle-là. Allez, on croise les doigts les amis. J'ai eu un ticket donc de la part des admins comme tout le monde. Tu sais ce que j'ai eu? J'ai eu un R. Oh, il se transforme. Allez, s'il te plaît, un truc bien. Super Saiyan 1. Oh là là, Super Saiyan 1. Mais c'est quoi cette drop dégueulasse là, hein? Oh là, je suis très content d'avoir Tenshinhan SR. Ça se voit au niveau de mon visage. Putain, mais sérieux quoi. Même sur les 25 tickets, j'ai pas eu grand chose, hein, si vous regardez bien dans la vidéo. Ah, Vegeta, peut-être qu'il va se transformer. Les potes à là. Allez, viens putain, il vient jamais, ça m'énerve. Super Saiyan 2. Super Saiyan 2 seulement. En plus, t'es même pas sûr d'avoir un SSR. Oh là 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 là, mais c'est la tristesse. C'est quoi ça? Un SR. Il reste plus que 3. Oh, j'y crois moyen, hein, en vrai. Hein. J'y crois moyen. Hein. Je sais que le miracle existe, mais bon, à Vegeta, si un jour tu te transformes, tu m'appelleras. Eh gros, c'est un truc de ouf, ça. Bye, guys. Oh là là, mais non. Raditz R. Oh, avec justement la queue de singe à l'époque des Saiyans. Ok. C'est full merde, hein, quand même. Hein. C'est full merde. Hein. Oh, c'est horrible. Et Vegeta, il vient, mais... Oh, il a trop de fierté pour se transformer avec Son Goku. Hein.
C'est un truc de ouf, hein. Ah, Son Gohan, je l'ai jamais vu avec ce Son Goku. Super Saiyan 2. Super Saiyan 2. On va avoir un SR, MDR. C'est un SR ou un SSR, ça? Un SR. Je l'ai eu Bou mal incarné, mais en SSR puis. Je sais pas du tout ce que ça donne. Bon, bah, le dernier ticket, MDR. En vrai, je suis vraiment pas très enjoué pour faire cette partie-là de vidéo. Mais il est tout seul! Mais il est tout seul! Mais c'est un truc de ouf! Il est tout seul, le mec! Il va pas se transformer, il y aura jamais de bad guy, j'aura jamais d'eau longue! Non, mais c'est une blague, là! J'aurais dû prendre plus d'argent ou plus de... je sais pas quoi. Oh là 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 là, mais c'est triste. Mais c'est triste. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Et dites-moi dans les commentaires si vous avez des trucs bien. Pas dans les 25 tickets ou quand vous avez acheté les 50 DS, enfin, que vous avez dépensé les 50 DS, mais ce qu'on vous donne quand vous faites les vœux de pour rien. Si vous me dites que vous avez des trucs de ouf, je vous crois pas. Je vous crois pas. Non, mais c'est la déception. Il était tout seul. Dernière invocation, je donne Goku, il est comme ça. Il se ressemble même pas. C'est une blague. Hero tout le monde, les amis. On est parti eh bien pour la suite de Dragon Ball Dokken Battle. Je viens de me réveiller. Je tourne le 10 septembre 2018, les amis. Je vais essayer de poster la vidéo pour mercredi avec toutes les... tous les passages justement de Dokkan Battle. On a gagné 28 pierres du dragon parce qu'on a été sélectionné. Enfin, en fait, ils étaient top vente et tout ça. Et c'est vraiment cool parce que comme ça, on peut faire du... vous voulez dire du Bingo Kai, mais c'est pas du Bingo Kai. Mais on peut faire justement, eh bien, du tirage pour gagner des unités. Il reste 19h. Ça va être compliqué de faire mes 100 Dragonstone en vrai. Parce que j'aimerais bien réussir à avoir la multi-invocation gratuite, même si j'en avais déjà récupéré une dans la partie précédente. Et on a gagné un ticket de célébration. Eh bien, écoutez, quand vous vous connectez, vous gagnez un ticket. Je sais pas du tout ce qu'on peut gagner, parce que c'est marqué Freezer, je sais pas quoi. Oh, il y a toute la famille! Oh, y a Rainbow, Rainbow! Oh, Kamehameha! Oh, il se transforme même pas! Craquage! Non, pas craquage. Un craquage! Tu as éveillé ma colère, Freezer! Ah non! Ah non! Mais c'est un SSR, mais il est pas ouf. Ah non! Oh là là! Oh la joie que j'avais sur mon visage, j'étais content! Oh, je me dis craquage! Oh là là, c'est trop bien! Et en fait, non. C'était nul à chier. Bon allez, c'est parti, Chocolat 4G, la puissance des likes! Oh la famille! Vegeta, transforme-toi, s'il te plaît, mon ami. Allez, s'il te plaît. Oh, ça se transforme. Oh, ça se transforme. Un perso du détecteur, Freezer. Freezer, première forme qui change de forme à chaque tour. Ça serait trop ouf. Allez, 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 allez. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? On a un Freezer. Voilà, ça commence bien. On a un petit Freezer SR que je n'avais pas. Donc, je suis quand même content. On a Zabron. Oh, le Super C17 agit. Apparemment, il est bon, celui-là. Il est bon. Cauchemar personnifié du coup. Oh, sympa, un perso du détecteur du coup. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Un doublon. Oh, je suis content. J'adore ce perso, il faut que je le docane. Un doublon sur lui. Oh oui, 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 je dis oui. Ça fait deux persos du... Attends, non, il fait partie du perso détecteur. Non, il est hors détecteur celui-là. Je savais pas qu'on pouvait l'avoir. Donc on a deux persos SSR pour le moment dans cette multi. Ça fait très plaisir. Merci à Katsuki et Namco Bandai en tout cas de nous avoir donné 20... Oh! Oh, c'est lequel celui-là? Oh, c'est pas le LR, mais je suis content! C'est le Goku Black Super Saiyan Rose LZ. Est-ce que ça tourne? Ça tourne 2 minutes 47! Oh là 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 là! Mais c'est bon ça! 3 SSR du coup dans cette multi. Oh! Et ça continue avec un SSR, c'est 18, je sais pas du tout si c'est bon, mais c'est la première fois que je l'ai. Mais quel multi, les amis! Mais quel multi! Oh là 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 là! 1, 2, 3, 4 SSR dans cette multi! Oh là 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 là, mais c'est bon ça, c'est bon! Oh yo 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 yo, yes! Inflige des dégâts immenses et diminue fortement la défense. Oh yo yo, il est bon celui-là, il est bon! Après, bon, je sais pas si on peut le docken. Inflige des dégâts immenses, non, ça j'avais lu. Après, c'est dégâts encaissés réduits de 30%, attaque plus 20% lors d'une attaque. Et tankaissés max 100%, ce qui est plutôt pas mal. Aptitude de lien, il a cyborg, peur et désespoir, guerrier fusionné, cauchemar, GT, vitesse époustouflante. Et justement, j'ai le Black Goku. Yes! Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui? Alors,
Y a trop d'explications en même temps, je viens de me réveiller. Oh, il fait partie de la team Botala, super, divin en plus. Inflige des dégâts immenses, attaque plus 30% pendant un tour pour les alliés de classe extrême, attaque personnelle plus 100%, ki plus 2 et défense plus 40% pour tous les alliés de classe extrême, attaque et défense moins 15% pour les ennemis de type, je pense, super. Voilà, exactement, et après il y avait le petit truc aptitude leader, mais vu qu'il y a trop de trucs. Alors, ki plus 2, PV attaque plus défense plus 100% pour tous les alliés de type extrême, si l'équipe comporte des persos extrêmes, ok, de tout type. Ok, ok, pas mal du tout. Qu'est-ce que je voulais voir aussi? Bah voilà, le doublon qui fait plaisir. Et on a cette personne-là, donc c'est 18, inflige d'énormes dégâts. Alors, quand ils disent des dégâts immenses, c'est au-dessus de colossaux. Bon, c'est vraiment super. Franchement, on a un tirage totalement pété. Je tombe des fesses, là, actuellement. Franchement, le truc où tu vas en air et après, ça switch. Ça, c'est trop bien, ça. Et surtout, on a eu un perso du détecteur. Du coup, c'est vraiment super cool. Hey, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu en tout cas sur cette deuxième vidéo de Dokkan Battle. J'ai encore d'autres parties du montage que j'aurais pu assembler dans cette deuxième partie de vidéo, sauf qu'elle aurait fait 45 voire 50 minutes et je pense pas que les gens voudront regarder une vidéo de 50 minutes. Donc je me suis dit on va le faire ça dans la troisième vidéo, j'attendrai bien sûr vos retours dans cette vidéo là. N'hésitez pas à la commenter, la partager, la liker un maximum et n'hésitez pas à commenter un maximum pour me donner justement vos ressentis justement sur cette vidéo de Dokkan Battle. Et aussi justement de me mettre un petit peu des timecodes sur les invocations que j'ai eues pour me donner un petit peu de conseils. Pour justement qu'on se soutienne mutuellement en tout cas dans la scène d'Okan. Merci à tous. N'hésitez pas à me suivre aussi sur ma chaîne Twitch. Je fais aussi des lives régulièrement sur Dokkan Battle. Et là il y a beaucoup de choses qui vont arriver dans cette partie numéro 2. Et là c'est déjà un petit peu arrivé. Il y a beaucoup de choses à farmer, surtout les Dragonstone les amis. On a donc le tournoi du pouvoir, donc le dernier arc. Ensuite on a marron l'unité free to play à 100% avec les sphères, donc ça faudra que je farm. Ça faut que je farm aussi là, les Dragon Souls, je les ai pas encore récupérés, donc je pourrais faire des multis justement pour avoir. On va essayer d'avoir le Goku LR avec le Freezer, donc dans Dragon Ball Super, dans l'épisode je crois 131 si je dis pas de bêtises. Et il y a ça aussi à farmer, il y a trop de trucs à farmer, ils ont fait du lourd. Donc voilà, merci à tous, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, vous abonner à la chaîne, cliquer sur les notifications, me rejoindre sur ma chaîne Twitch les amis, et n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch Prime gratuitement pendant un mois. Vous avez accès à différents emotes, vous avez le serveur premium sur Discord. Voilà, je vous fais de gros bisous, ça fait trop plaisir d'avoir fait justement ce montage là. Il m'a demandé pas mal de temps et j'ai bien aimé justement rajouter les scènes un petit peu rythmées justement quand j'ai eu les invocations. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bon appétit. Salut tout le monde.